Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je me présente, voilà, je m'appelle Morel Sylvain, je suis maître en Kung Fu et plusieurs fois champion de France. Je suis le fondateur d'une école d'arts martiaux qui est située à Perpignan, qui s'appelle Luan, que j'ai fondée aussi avec mon frère jumeau qui s'appelle Ludovic, qui n'est pas là aujourd'hui. Et voilà, et je suis aussi le responsable de l'Académie des Gardiens de la Force, le fondateur. Oui, moi je m'appelle Sandrine Ortega et je suis dans l'école de Kung Fu au Luan depuis 8 ans et gardien de la force depuis quelques mois, voilà, et je prends beaucoup de plaisir à participer à ces événements et puis à intégrer aussi le Kung Fu dans les combats, voilà. Moi c'est Durenny Egmaier, ça fait 5 ans que je suis dans l'école, je suis gradé en Kung Fu Shaolin et gardien d'argent chez le gardien de la force. Donc vous faites tous partie d'une école de Jedi, en quoi consiste exactement? Alors en fait, je vais juste reprendre le Jedi en fait. Nous, notre académie, c'est les gardiens de la force. Pour vous expliquer un peu brièvement, après on pourra approfondir si vous me posez la question. Nous, les gardiens de la force, en fait, on a créé tout autour des gardiens de la force un univers fictif. Donc en fait, les gardiens de la force, c'est un mélange des Jedi et des Sith. C'est des anciens Sith, des anciens Jedi. Et on a harmonisé les deux forces pour en faire qu'une. On les fait coexister un peu comme le Yin et le Yang en fait. Donc aujourd'hui, la position des gardiens de la force, c'est mi-Jedi et mi-Sith, quoi. Et après, donc, à quoi consiste notre académie? C'est tout simplement d'enseigner l'art du sabre laser, donc sous forme de combat chorégraphié et de combat libre. On propose des cours. Donc, l'académie a été fondée en fait, je crois que c'était donc en septembre 2015, et on a commencé à donner des cours à partir du mois de janvier. On a eu beaucoup de personnes qui se sont inscrites, et on apprend tout simplement aux gens à manier le sabre, comme on pourrait apprendre à manier le sabre dans les arts martiaux. Voilà, tout simplement. Et comment on peut s'inscrire? Il y a des écoles partout en France ou pas? Alors, il y a des écoles qui sont en train de se monter un peu partout en France. Nous, on est une des rares écoles à pouvoir, enfin, avoir associé justement le milieu des arts martiaux. Je dirais pas qu'on est les seuls, en tout cas dans le Kung Fu, on est les seuls. Parce qu'il y a des académies qui se montent, on a des personnes qui sont spécialisées dans la canne de combat, d'autres qui sont spécialisées dans le kendo, peut-être dans l'escrime, ça je l'ai pas encore vu, mais nous, voilà, nous, on est dans notre école, il y a des maîtres en arts martiaux, il y a des champions de France. Et voilà, on associe vraiment tout le côté technique des arts martiaux, avec la même approche, la même pédagogie aussi. Si vous voulez, en fait, voilà, c'est pas que des sabres laser, on a des gens qui sont, voilà, fans de Star Wars, qui viennent se joindre au gardien de la force, mais l'enseignement est fait par des personnes qui sont experts, qui sont maîtres dans les arts martiaux. C'est vraiment un art martial à part entière, en fait. Exactement. C'est aussi une façon de voir les arts martiaux, une nouvelle génération d'arts martiaux, les arts martiaux des temps modernes. Alors, les arts martiaux traditionnels, malheureusement, ça m'embête de dire ça, mais c'est la vérité, c'est un milieu assez fermé, où les écoles très souvent se font la guerre un peu entre elles, parce que ils pensent que tel style est meilleur qu'un autre, alors que c'est pas le style qui fait la personne, c'est vraiment la personne justement qui va faire toute la différence dans ce qu'elle va faire. Mais le fait d'avoir monté cette académie, par exemple, voilà, qu'on s'entraîne dehors, par exemple, le soir avec les élèves et qu'on a des sabres laser, les gens ont plus de facilité à venir au contact avec nous. Parce que le fait de voir un sabre allumé, ça ébouille tout le monde. Les enfants, ils aiment ça, les adultes. Et puis on sait très bien que Star Wars, c'est un univers qui, enfin, je veux dire, ça plaît à tout le monde, quoi. C'est plusieurs générations qui aiment cet univers. Donc, Il y a des compétitions, est-ce que vous pouvez nous en parler? Il y a des championnats de France, peut-être même du monde? Alors, si vous voulez, il y a des académies qui sont un peu partout en France. Nous, là, on est sur le point de fonder, voilà, un collectif qui s'appellera Saber Alliance. Donc là, les documents ont été déposés en préfecture. Ça s'appelle donc la Saber Alliance. Et ce collectif, justement, aura pour but donc de réunir donc des académies qui viennent de partout en France. Peut-être, on verra par la suite, peut-être d'Europe. Et justement, voilà, par la suite, d'organiser des tournois où les académies pourront échanger tout en gardant leur style respectif. Et bien sûr, avec des règles bien définies, pour que chaque académie puisse préparer leurs élèves. Et voilà. Après, le terme compétition n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas encore de fédération officielle qui existe. Dans les arts martiaux, dans le karaté, dans le kung-fu, il y a des vraies fédérations. Là, il n'y a pas encore de fédération qui existe. Alors après, il faut juste être prudent parce qu'il y a des personnes qui vont après vouloir un peu aller dans des dérives en voulant se prétendre fédération, quoi que ce soit. Mais il n'y a rien d'officiel encore, ça c'est certain. Voilà. On vous a vu dans les médias. Est-ce que c'est une discipline qui devient de plus en plus populaire? Oui, bien sûr, ça devient de plus en plus populaire. Alors nous, on nous a beaucoup vu dans les médias parce que
grâce à la notoriété qu'on a déjà dans le Kung Fu, Luan, c'est une école qui existe depuis maintenant plus de 9 ans. Ça va bientôt faire 10 ans que l'école Luan Kung Fu existe. Donc on a déjà une certaine crédibilité qu'on a déjà dans les arts martiaux. On a fait beaucoup d'émissions de télé. On est passé sur Incroyable Talent en 2010. On est passé sur Gulli, sur Énergie 12, sur France 3 National. Là, la semaine dernière, par exemple, là je parle du Kung Fu, hein. Après je vais faire le lien avec les graines de la force. Mercredi dernier, on a un gardien de la force, donc un élève qui fait du Kung Fu aussi, qui est passé sur une émission qui s'appelle Super Killed. C'était mercredi dernier à 20h55. On a Stéphane Rottenberg qui est venu à Perpignan. Il y a un reportage qui a été fait et on a fait voilà une performance de Kung Fu autour des enfants. Et là, donc, le fait qu'on arrive donc, avec les gardiens de la force, on a déjà une crédibilité, les gens nous prennent au sérieux. Ils savent que les gens qui sont... on permet aussi, tout simplement, aussi aux élèves qui sont novices d'intégrer aussi... on n'est pas contre... entre pratiquants d'arts martiaux, une personne qui veut s'initier aussi. Par exemple, cet après-midi, on a fait un spectacle à 13h15. On a des élèves qui sont inscrits seulement depuis 3 mois et on leur a laissé la chance de pouvoir faire ce spectacle-là. Ils ont pris du plaisir, on les a entraînés. Mais c'est vrai qu'on est assez voilà là, très souvent la presse nous contacte. Là il y a quelques mois aussi on a fait la une de notre journal en fait à Perpignan l'Indépendant et on est passé aussi sur France 3 National. Donc effectivement ouais, on est souvent sollicité par les médias parce que il y a toute une image autour des graines de la force qui plaît beaucoup. Et depuis vous avez de plus en plus d'inscrits. Alors c'est vrai que honnêtement je m'attendais pas à un succès comme celui-ci. Aujourd'hui, à travers le Kung Fu, on tourne à plus de 200 adhérents. Et là, avec les gardiens de la force, depuis le mois de janvier, on a ouvert 2 cours pour les adultes, 2 cours pour les enfants. On est autour d'une cinquantaine d'élèves déjà. Depuis le dernier Star Wars, est-ce qu'il y a eu un impact? C'est clair que Star Wars 7, en fait, des écoles comme ça existait déjà depuis longtemps. Mais Star Wars 7 a ranimé la flamme, on va dire. Ça a accéléré les inscriptions un peu partout, et notamment chez nous aussi. Et vous avez des projets maintenant pour cette école? Oui, déjà, il y a le projet, comme je vous dis, de la Cyber Alliance, on n'a pas encore dévoilé cela. Bon, de toute façon, ça ne me dérange pas de le dire maintenant, de toute façon, parce que ça va être dévoilé dans les semaines qui vont suivre, de toute façon. Et puis, on a un très 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 gros projet, donc on a le projet d'une web-série. Là, on est en train de s'entourer d'une équipe. On a des personnes qui vont s'organiser autour de nous. Et puis voilà, de faire une web série autour des graines de la force, parce que Star Wars c'est un univers étendu, donc on peut créer son personnage, on peut créer son histoire. Et l'idée, c'est de à travers la web série d'expliquer qui sont les graines de la force. Quelles sont leurs positions. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, les gardiens de la force, ça sont dans l'histoire fictive, dans la web-série, c'est des anciens Jedi, des anciens Sith qui ont créé une alliance gardienne pour créer donc les gardiens de la force. Donc on est en train de préparer un très gros projet. Le tournage devrait commencer cet été ou après cet été. On est encore en train de voir certaines choses pour mettre tout au point. Et on espère que l'année prochaine, en 2017, que la web-série des Gardiens de la Force sortira. Et on regardera ça avec plaisir et bon courage à vous. Voilà, et après si je peux dire quelque chose rapidement, pour tous les gens qui vont nous voir et qui nous écoutent, je les invite à rejoindre notre page Facebook, de taper les Gardiens de la Force, même sur YouTube, et puis ils pourront se tenir informés de toutes les actualités. Quoi. Voilà, et je tiens aussi à remercier tous nos partenaires aussi qui nous soutiennent dans l'avancement des gardiens de la force. Voilà, merci. Merci beaucoup.